Salut tout le monde. Voilà, on reprend notre correction de l'examen régional session normale juin 2024, région Sousse-Massin. Nous arrivons à notre production écrite. Alors, relisons le sujet. Certains pensent que les vacances d'été sont une occasion pour que les élèves se reposent et s'amusent pleinement. La consigne: rédiger un texte argumentatif où vous développez ce point de vue en se demandant si les vacances estivales ne seraient pas aussi le seul moment convenable pour se préparer avec plaisir à l'année scolaire suivante. Lecture, écriture, révision, etc. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai souligné ici certains mots, des mots-clés. Alors pour moi, certains, ça suppose qu'il y en a d'autres. Autrement dit, j'opte pour le type de plan qu'on appelle le plan dialectique, certains et d'autres. Vous avez les vacances d'été, c'est le thème. Les élèves qui ne sont considérés pas ce thème, donc les élèves considèrent les vacances d'été comme un moment idéal pour se reposer et pour s'amuser pleinement. Dans la consigne, on vous demande de mettre en évidence la problématique dans votre sujet. Donc, vous devrez vous demander si les vacances estivales, les vacances d'été, ne seraient pas aussi le seul moment convenable pour se préparer à l'année prochaine, à l'année suivante. Nous avons le seul moment convenable, ça suppose au moins deux réponses. Si le seul moment convenable, lui, le seul et unique moment convenable, mais je peux également dire c'est un moment convenable, mais pas le seul. Il y a d'autres moments qu'on peut exploiter pour faire de bonnes préparations tout en s'amusant. Alors de toute façon, je vous propose ici un exemple de plan dialectique. C'est juste un exemple. C'est personnel. C'est pas la correction académique, bien sûr. C'est juste un effort personnel. Je vous le propose juste comme exemple que vous pouvez consulter à titre indicatif tout simplement. Alors, nous avons l'introduction, le développement et la conclusion. Dans notre introduction, je reprends la thèse et l'antithèse plus la problématique. Certaines personnes pensent que les vacances d'été sont un droit au repos total et à l'amusement. D'autres, au contraire, s'y opposent vivement. De notre part, on se demande si les vacances estivales ne seraient pas aussi la seule occasion convenable pour bien se préparer tout en s'amusant pleinement à l'année scolaire suivante. J'ai mis ici entre crochets ce et un, juste pour dire qu'on peut utiliser les deux phrases. Pour bien préparer tout en s'amusant pleinement l'année scolaire suivante, ou alors pour bien se préparer à l'année scolaire suivante, se préparer soi-même. Psychiquement parlant, nous avons les deux cas. Alors, pour le développement, nous avons thèse, antithèse, synthèse. Donc, pour la thèse numéro 1, les vacances d'été sont considérées comme un moment de repos et d'amusement. On vous demande d'utiliser au moins deux arguments illustrés par deux exemples. La thèse numéro 2, bien l'antithèse, les vacances d'été sont considérés comme un moment idéal pour la préparation et pour le sérieux. Donc, on entame des préparations sérieuses. On utilise deux arguments illustrés par deux exemples. Le même nombre d'arguments et le même nombre d'exemples dans la thèse et dans l'antithèse. Pour la synthèse, notre synthèse rejoint la problématique du départ. Les vacances estivales représentent un moment ou une occasion d'une bonne préparation, mais aussi de l'amusement, du plaisir. Alors, j'argumente et j'illustre mon argumentation. Deux arguments illustrés par deux exemples. On arrive donc à la conclusion. La conclusion confirme ce qu'on vient de dire dans la synthèse. Les vacances estivales représente le seul et unique moment convenable où l'on pourrait facilement joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est la bonne préparation
l'agréable, c'est l'amusement et c'est le plaisir. Voilà. J'arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention. Et à la prochaine. Au revoir.